Oh, c'était déjà pas mal là. Le boss là, il était quand même assez chaud. Bon, bah. Pas très joyeux quand même. Oh putain! Oh, la vache, ce fond! C'est énorme! Attends, juste fais voir montagne de feu. Ouais, il y a 5 masques également. Donc, moi je pense que c'est ça, ouais, c'est la. C'est la dernière partie du DLC, ça. Putain, c'est beau, hein. C'est que ça. Mais il s'éclate au sol, là. C'est bizarre. Va me dire non, j'ai toujours rien. Je suis sûr qu'on peut se TP avec ça, je me rappelle pas, il doit y avoir un bouton. Peut-être back. Bon, on verra plus tard s'il y a besoin. Je me rappelle vraiment plus comment on se téléporte. Et ouais, la lave. Merde, putain, c'est vrai qu'il fait ça, lui. Ah, ok. Ça va quoi, c'est pour revenir, ça? Ah mais d'accord, je suis obligé d'être dans l'autre dimension. Voilà. Là, ça marche. Salut Giant. Non, j'arrive pas à lire. Peut-être ça plutôt. Ouais, ça c'était un peu risqué. Hein. Mais des portes partout. Il va me faire chier, lui. Ok. Je crois que c'était de la plateforme, ça, mais non. Putain. Je crois que c'était le marchand à marchand. Bah, je crois aussi, mais. En fait, je sais plus comment. Je pensais que c'était un bouton, mais. Apparemment, non. Quoi, j'étais pas accroché là? Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bon. Il y a les pirates de l'espace de Metroid là. Ils sont ici, quoi. Oh la vache. Ça marche, merci de passer, Shazam. Bonne nuit à toi. En bas? Non. Ah putain, je vais faire pop, ouais, voilà. Super. Putain, le fond là?
En tout cas, il était cool, hein, le boss d'avant, là. Sympa à faire, quoi. Comme toujours. Je l'ai remis encore sur le perroquet, quoi. Putain, je l'ai chopé au vol. Ils sont pas très sympas ici, là, les Pokémon. Putain. Ah, soleil de Mario. Faudrait que je revoie la gueule, ça ressemble à Z-Wox. C'est là, là. Ils sont censés être cool, hein, normalement. Ok. Oh putain. Comment je suis passé entre, quoi. C'est pour un masque. Là, il y a un truc. C'est pas un magasin, ça, c'est juste un point. Un point de. Un checkpoint, quoi. Oh, saleté. Putain, les casse-couilles. Qu'est-ce qui me bloque là? Je sais pas. Ah, si, faut que j'aille là quand même. Ah merde. Ok. T'es pas plutôt en dessous? Ah merde. Ah ouais, mais là y a pas de. Ah ouais, effectivement, c'est en dessous. On voit la petite barre bleue. Ouais, donc là je suis sur le bon chemin. Bah finalement, ouais. Je vois pas de trait bleu autre part. Putain, là je bourrine un peu là. Ah, c'était au milieu, merde. Waouh. Non, putain, c'est pas vrai. Putain, pas au dernier, quoi. Je sais plus où je suis, hein. Ouais, donc c'est plus bas, de toute façon. Oh, le timing de merde. Mais putain, dégagez là. Voilà.
Putain. Ah là, pas de chance quoi. Ok, super. Ça je prends. Putain mais faut que je fasse gaffe là, les portes... D'accord, super. Ok, c'est bon, on a fait le plus dur. Voilà. Je sais pas pourquoi je vais là. Pour temporiser quoi. Ah tiens, c'est là. Hop. Il va falloir aller dans l'autre dimension pour à gauche et il y a un masque. Donc à droite, je vais pouvoir changer apparemment. Je sais pas où. Putain, cassez-vous quoi. C'est approximatif hein, ce que je fais quoi. Non non, dégage toi. Ah mais ça va être chaud là d'aller à gauche. Attends, ou alors, faut que je mette de lui là. D'accord mais faut pas qu'il mette 15 ans pour... Voilà. Bon. Ça revient? Oh non. Ah putain d'accord, il a pas mis sa cape. Bon ça a l'air chaud ça. Oh puis c'est loin. On fera ça plus tard. Putain le con. Ah la finesse quoi. Donc là faut que je change. Voilà. Les masques on verra plus tard hein, si je les fais en live ou pas. Déjà finir le DLC pour ce soir serait bien. Quoi? Mais... Super. Oh putain magnifique. Ok c'est super bien calculé. Oh putain je me retape tout. Allez. Choper, oui. Voilà. L'autre suite gauche, je sais pas quand il est mort. Putain, mais j'étais baissé. Hein. Putain, j'ai du mal. Hein. Voilà, c'est bon. Une heure trente. Ah non, ça c'est speedrun. Un joueur lambda, c'est plus deux heures, trois heures.
Il y avait quoi à gauche là? Mais... j'étais pas passé à gauche. Ah non, c'est là. Ah, c'est pour un masque. Y a un checkpoint. Y a un checkpoint là. On va essayer le masque alors. Il te fait. Voilà. Putain, vraiment, j'ai fait ça. En fait, je maîtrise pas du tout ce truc là. Ouais, non, ça me pète les couilles. Je maîtrise pas le maniement. On fera ça plus tard. Putain, j'ai jamais demandé ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Sam? C'est quand même plus tendu que le jeu d'origine. Hein. Oh putain. Ok. Hein? C'est vachement petit là les trucs. Ça s'écroule pas. J'ai eu peur de ça. J'ai cru que ça allait s'écrouler, quoi. T'as pas cool les Ewoks, hein. Ok. Ah, Satan. Tu es très ponctuel, messager. Alors, c'est vraiment vous? Je croyais que vous étiez mort dans le bas monde infernal. Ah, mais on l'avait vu, ouais. Lui, on l'avait peut-être vu dans le jeu d'origine. Tu croyais que ça serait aussi facile? Je m'en rappelle plus, quoi. Je te l'ai déjà dit, fils de vos scribes, il n'existe aucune créature plus rapide que moi. Relâchez Phobikien et disparaissez, démon, sinon je vous battrai encore. Oh, je ne t'ai pas attiré jusqu'ici pour perdre encore un duel. Tu vois cette graine magique? Elle a presque fini d'absorber l'énergie vaudou. Quand elle sera prête, on verra qui rira le dernier. L'énergie vaudou? Dans ce monde, la peur a peut-être converti. Et il se trouve que ces petites créatures sont une sorte de peur, sont une source plutôt de peur inépuisable. Charger complètement la graine magique, je dois les effrayer pour de bon. C'est pourquoi je te remercie d'être tombé dans mon piège. Et quand je parle de piège, je parle de l'hôtel vaudou. Ouf, ne bouge plus, messager. En fait, tu ne peux pas. Oh, le Dark Messenger, quoi. Messager obscur est enfin apparu. Ah, avec le petit diable aussi, énorme. Le cœur de la montagne vous attend tous les deux. J'y ai placé des idoles vaudou imprégnées d'un sort redoutable pour les démons cupides. Atteins le plus grand nombre d'idoles en premier, et Quasimodo obscur sera vaincu. Si tu échoues, tu perdras ton protecteur et tu seras à la merci du messager obscur. Voyons comment tu vas t'en sortir dans une course contre toi-même, ninja. Super, une course. Ça va être bien ça. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Oula. Regarde le bon côté des choses, tu ne verras pas ce qui arrivera ensuite aux phobikiens. Je n'aime pas ça du tout. Libère-nous, s'il te plaît. Arrêtez de vous plaindre. Bon, comment on dit déjà? Ah oui. Bonne chance, messager. Et ça va être bien, ça. Tiens, il parle, lui. Bon, ça craint. Tiens, pourquoi tu n'arrives que maintenant? Je ne veux plus parler à cette tronche de pirate. Ah, il parlait peut-être dans le premier aussi. Putain, j'ai tellement pas de souvenirs. C'est bien. Hein? Écoute, on ne peut pas empêcher ça, je n'ai pas envie de mourir.
Vite, allons-y. Je sens que c'est une phase incroyable. Putain, c'est beau en tout cas. Ah tiens, elle. Cette tenue, il doit appartenir au clan qui m'a enseigné le saut nuage. Et il parle quand je meurs, oui. Exact. Ce qui veut probablement dire que Picanoda... Salut la moine, je crois que j'ai trouvé un autre indice sur la secte. Mais en fait, ce que je me rappelle pas, c'est les portraits qu'on voit à gauche, là. Je sais pas si ça y était, ça. La peur primaire peut attendre. Je crois que nous sommes à des embranchements dont parlait le prophète. Oh, avec Quasimodo? Oui, maintenant je comprends tout. Tu dois veiller sur eux. J'y vais. Ouais, à côté des textes. Attends, le marchand va me filer le truc ultime. Bah, le truc ultime, c'est qu'il fallait choper tous les masques. Hein. Ça se trouve, faut tous les masques pour en finir, quoi. Il semble que si, bah, c'est possible, hein, tu sais. Ah merde. Quoi? J'ai plus confiance en ta mémoire qu'à la mienne, hein. D'accord, c'est le premier qui l'atteint et on fait monter en haut, j'ai vu. Ça va aller, hein. S'il s'énerve pas plus que ça, quoi. Merde, il est où, là? Putain. Ah ouais, mais attends. Et putain, ouais, là, c'est mort, là. Moi qu'il en ait chié aussi. Non, il est au-dessus. Allez, bouge. Ah, super. Ah, il l'a eu. Et putain! D'accord. Ah, si je meurs, c'est direct. D'accord. Je peux pas le tuer, lui. Mais putain. Allez, j'ai perdu toute mon avance. C'est fabuleux. À jouer comme de la merde. Putain, mais je fais de la merde. D'accord. Ok, bon, c'est mort. Putain. Oh, le newbie level 0, là. Ok, c'est bon. Tu mérites la victoire. C'est pas fini, d'accord. Putain. Quoi? Les pics, ça me tue en un coup, maintenant. D'accord. Donc, une nouvelle info. Fais le savoir. On change les règles comme ça. Et putain, descend! Quoi? Je suis où? Là. Faut pas changer de monde, j'en sais rien. Une histoire comme ça. Ok. Putain, c'est chaud ça. Mais il y a des obstacles comme ça, lui? Ou c'est que pour moi, là?
Genre ça là, le truc qui te freine bien là. Yes, je l'ai eu. Putain, je crois que c'était limite, hein, on le voyait au fond. Ah ouais, d'accord, fallait continuer. Oh putain, l'enfer. Oh là, faut une méga maîtrise là du. De la vitesse. Bah là, c'est mort. Hein. Quoi? Merci. Putain, l'autre qui m'a stoppé, mais bien quoi. Putain, c'est ignoble. Oh, c'est ignoble. Ok. Ah, fallait prendre. Putain, ouais. C'est du par cœur. C'est du par cœur quoi. Et lui il l'a pas la chauve-souris quoi, c'est que pour ma gueule quoi. Quoi? Pourquoi j'étais pas en mode... Ah, putain mais... Et tous les monstres sont sur moi, pas lui hein. Putain c'est génial. Mais monte! Monte putain, mais quel con! Putain c'est de la merde! Allez, on recommence où, putain, quelle passion. Ah. Tellement approximatif là. Ça marche le grappin sur ce truc. Putain. Mais ouais, mais comment là? Mais... Putain, c'est épuisant. Mais d'accord, moi ça marche pas. Bon, laisse tomber. Ça, cette partie-là, j'y arriverai jamais. Faut une part de chance. Allez, vas-y, fini. Lâche! Putain! Comme tout à l'heure, quoi. Ok. Putain, il s'est accroché encore. Allez, bah c'est reparti. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas fini? Putain, bah, je croyais. Ah oui, non, c'est le truc random là. Le truc, ça passe pas, tu sais pas. Voilà. Ok, allez, vas-y. On va recommencer.
Eh bah putain. Allez, oui. D'accord, bon, on peut recommencer. Ah mais c'est le début en fait. D'accord. Ça compte pas celui-là. D'accord, le bouton qui a rien voulu savoir. Alors c'est possible que ça soit voulu, hein, que ça soit super dur pour certains. Pour justement que lui puisse gagner. Putain, voilà. Même si ça doit être faisable en vrai, mais ça doit être tellement au pixel près que... C'est pas la peine quoi. J'avance pas là. Bah oui mais c'est tellement bien synchronisé que tu peux rien faire quoi. Non mais ça putain. D'accord, j'ai jamais dû faire ça. Voilà, je te le donne. Non. Yes. Eh bah putain. Pas deux fois, hein. Merci. On va se taper le boss là. Ça, oui, on s'en fout. Et c'est ainsi que le messager gagne la course. C'est fini, démon. Votre plan a échoué, libérez les otages tout de suite. Allons, allons, pas si vite. Tu as encore joué mon jeu, ninja. Car pour que le messager obscur atteigne son plein potentiel, il doit d'abord être séparé de son démon cupide. Oh, j'ai tellement attendu cet instant. Maintenant, cher messager obscur, je crois qu'il est temps de passer à l'action, allez. Gros combat. Oh putain, il est pas mal hein. Ah c'est Jafar. Ah je le savais. Oh ça se présente plutôt mal. Je reviens tout de suite. Ah le troll quoi, il se ramène. Oh ok. Ah non il ramène des potes. J'ai bien compris mais même s'il avait pu copier le parchemin, ça ne veut pas dire qu'il pourrait... Tiens tiens, mais c'est le boutiquier. Bon ça va pas le faire du tout. Quoi ? Si on fait notre petit numéro, on peut le vaincre. Sans aucun doute, mais le chapeau que porte ce type... Alors pourquoi on ne fait pas notre petit numéro ? Écoute, je veux bien me battre contre des boss plus grands que moi, mais la mode est un sujet que je prends très au sérieux. Un petit instant. Qu'est-ce que c'est que ce délire hein ? Parfait, que le spectacle commence. Et ils vont m'aider ? C'est un jeu de rythme ? On va faire le petit numéro là. Putain, c'est Punch Out. C'est énorme. Oh, mais attends, c'est quoi les boutons? Putain, c'est énorme. Il va y avoir le super en bas. Putain, celui qui a jamais joué à Punch Out, ça va être l'enfer. Hein.
Merde, c'est de l'autre côté. Quoi? Il va me pourrir, ouais, il m'a pourri. C'est pas grave. Ils ont bien déliré, quoi. Il a pris cher, là. Putain, je pensais qu'il fallait se baisser, là, mais... C'est bon. C'est pas en arrière pour protéger le bas. Allez. C'est clair. C'était inattendu, ça. Ça, j'avais pas du tout vu que... Eh bien... Petit côté punch out. Ah, c'est là. Ah, putain, merde. C'est comme Mike Tyson. Merde, c'est d'un plus faut faire dans le bon sens, ok. Ah, merde, là. Reculer, ça marche pas. Putain. Je me fiche tellement quand il va cligner des yeux là. Putain là. Ça va peut-être pas le tuer mais. Oh si. Oh le finish quoi. Oh, ça l'a juste un peu calmé, quoi. Mais ça a marché. L'énergie vaudou est enfin libérée et peut-être absorbée. Qu'est-ce qu'il raconte? On vient pas de lui mettre une raclée? Regardez la graine magique germer devant vos yeux ébahis. Waouh, je veux une graine comme ça. Je peux affronter tout ce que vous vous lancez contre moi, démon. Oh, tu as gagné cette fois, messager. Mais je reviendrai. Bon, ça c'est fait. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la graine. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Vous pourriez peut-être nous libérer. On voudrait bien finir notre pique-nique. On meurt de faim. Oui, allons tous pique-niquer. Ouais. Merci d'être venu à notre pique-nique. Merci pour votre invitation, c'est vraiment super. Ah, il y a l'autre à la gauche. Hop. Non, on peut pas. C'est sympa comme fête, mais je dois regagner mon laboratoire. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Partir de l'île, vous quittez. Non, pas tout de suite. Ouf, quelle aventure. Oui, on avait organisé ce pique-nique juste pour avoir le droit de boire des petites boîtes de jus. Ça a vraiment... Ça valait vraiment le coup. C'est vrai que vous devez bientôt partir, l'île de Vodkin est tellement agréable. Si un jour vous devez mesurer quelque chose, servez-vous de moi, des semelles de mes chaussures. Au bout de ce ruban, je mesure exactement 1m46. Cette bagarre est d'enfer, on devrait remettre ça un de ces jours. C'est clair que c'était cool, hein, le combat. On va savoir si ça va bien la manette de One pour les platformers. Bah écoute, ouais, plutôt cool quoi. Et bonne soirée du coup. Bah je pense que c'est la fin, ouais. Là y'a rien. J'ai pas de carte.
C'est marrant la musique. Je pense que c'est la fin. Je peux pas consulter la carte, c'est chiant. Alors si je lui dis ça. Et crédit de fin. Bon bah il était bien. J'ai quand même pas mal gueulé. Ah merde putain, on peut jouer je crois. J'ai quand même pas mal gueulé sur beaucoup de passages. Notamment la course là avec notre double. Après c'est juste que je jouais pas très bien. Mais quand même pour un DLC gratuit, c'est quand même super généreux quoi. Il y a de très bonnes idées. J'ai pas été hyper fan tout au début. La scène là de surf entre guillemets, ça a duré un peu trop longtemps je trouve. C'était pas ce que je préférais, mais après ça allait quoi. Mais c'est quand même tendu quoi. C'est quand même... faut quand même avoir fait le jeu de base, ça c'est clair. Ouais c'est clair quoi, gratuit. Hein. C'est quand même un très beau cadeau. Tiens, les deux, on suit un d'eux. C'est dingue Cole, ce nouveau régime m'a donné une de ses souplesses. C'est ce que je vois à Os. Dire qu'on comptait seulement sur la brutalité depuis tout ce temps. On devrait s'entraîner plus sérieusement à Os. Je suis tout à fait d'accord, Cole. Bonjour les cyclopes. T'attendais quelqu'un, Os? Qui peut bien se balader sous cette cape, Cole? Que veux-tu, étranger? Excusez mon intrusion, je cherche des botanistes expérimentés et il paraît que vous êtes les deux meilleurs sur cette île. Eh mais ce type a raison, Cole. Voyons un peu ce qu'il veut, Os. Qu'est-ce que tu veux, étranger? Voilà, je suis tombé sur une graine magique très rare qui, si on s'en occupe bien, devrait donner une belle plante. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Cole? Faut qu'on voit cette graine, Os. Parle, étranger, montre-nous. Avec plaisir, tenez. Et j'ai oublié de préciser qu'elle produira des aromates pour la cuisine. Faut qu'on plante cette graine, Os. Koabunga, Cole, qu'est-ce qu'on risque? N'en dis pas plus, étranger, nous ferons pousser la graine magique. Ça va foutre la merde, hein, je pense. Ouais, c'est Colosse, c'est ça. Bon, c'était marrant. Oui, je dois avouer que la plage me manquera. Alors? Oui. L'aventure va continuer un de ces jours? Ça ne dépend pas de moi. Mais tu peux rejouer Panique du pique-nique autant de fois que tu veux. Voilà, je pense que ça s'arrête là. Et bah voilà. Bon, j'ai pas trop envie de le faire en live, là. Enfin, récupérer les masques, tout ça. Je suis même pas sûr de le faire tout de suite, de mon côté. J'ai d'autres trucs à faire. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais faire. C'était montrer tout le DLC. Enfin, le découvrir. Et c'était plutôt cool, hein. Vraiment, pour du gratuit, c'est pas mal. Je peux pas aller là. Attends, je vais juste retourner là. Ah, on peut choisir où on veut. Ah bah voilà, là on voit ce qu'il y a à gauche. Putain, j'ai chopé zéro masque ici, quoi. En même temps, j'en ai pris qu'un, quoi. Alors, il y aura peut-être un nouveau DLC, hein. Bon, pas tout de suite, hein, clairement. Et peut-être pas forcément non plus... gratuit, quoi. Messager, je vais mon jeu pour le vrai. Non, mais ça c'est... Oui, ça c'est l'intro. Je peux pas le sauter, ça? Parce qu'en fait, je voulais juste voir la carte. Voilà, ça c'était après le surf là. Juste voir la gueule de la carte s'il y avait beaucoup de zones. Putain, je suis obligé de tout me retaper là. Ah, c'est bon. Hop. Alors ici. Alors, c'est plein de petits trucs. Et là-bas. Là, il y avait pas mal de chemin quoi. Alors je pense quand c'est en transparent, c'est quand c'est dans l'autre dimension. Hein. Je dis pas de conneries. Ah bon, voilà. Bon, bah très bien. J'ai donc quitté le jeu.